ici Morgelfan Brelan, et on se retrouve sur Death Bulk, le moule-bite de la mort. Oh. Zone 5, la salle du boom. Alors, vous êtes enfin arrivé à la salle du boom. Évidemment, en anglais, c'est plus rigolo. The boom room. The boom room. Bravo d'être arrivé aussi loin. Ça fait vraiment un sacré chemin depuis le lounge des gros nazes. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus des nazes? Ça se discute. Ouais. Continue à te planquer derrière ta technologie, pleutre. Je parie que t'aurais pas les couilles de balancer des insultes comme ça si on était en face de toi. Ah oui, eh bien nous allons voir. Salut, les nazes du lounge. Oh, regarde, je l'ai fait. Wow! Le mec, sa tête... D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi débile. Sa tête est littéralement vide, il n'y a que de l'air. Enfin, s'il y a de l'air, c'est pas du vide. Bref. J'imagine que c'était plutôt impoli de ne pas nous être correctement présenté plus tôt. Je suis Rona, cofondatrice de Tilatech et joueuse d'orgue pour notre groupe Mutila. Et je suis Headbang, le batteur. Nous nous rencontrons à nouveau. À nouveau ? Ne souviens pas avoir rencontré quelqu'un avec une gorge aussi particulière. Comment c'est une gorge ? Ah putain, oui ! Hein ? C'est cette espèce de tube qui, sur ses cheveux, ça lui rentre dans la clavicule. Attends. Son cou est ouvert. What the fuck ? C'était pas forcément un détail que j'avais envie de remarquer. Merci, Yann. Je ne sais pas avoir rencontré quelqu'un avec un coup aussi particulier. Ah oui ? Eh bien, vous avez une mémoire particulière parce que je vous garantis qu'on s'est rencontrés. Ah oui, c'est les mecs qui avaient fait des expériences sur Babi. Voilà. Ah, cette fois, vous planquez pas vos visages derrière des capuchons, hein ? Vous avez des tripes pour révéler vos visages et vos gorges après tout ce que vous avez fait. Et ben alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il a fallu que vous mettiez vos robes dans le... Il a fallu que vous mettiez vos bures à la machine à laver après les avoir imbibées de crime ? Ouais, quelque chose comme ça. Félicitations d'avoir complété les épreuves. Vous voir vous battre a été instructif. Nous avons hâte d'implémenter des techniques similaires pour le tournoi, donc merci. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, le truc c'est que vous êtes doué, très doué. En réalité, on n'a aucune chance contre vous dans le tournoi. Et si on ne vous tue pas maintenant, tant qu'on a l'avantage, eh bien c'est sûrement vous qui allez nous tuer au tournoi. C'est tuer ou être tué. Quoi ? Oh non ! Grâce à la malédiction musicale, nous pouvons accomplir cela avec des très gros haut-parleurs. De quoi vous parlez ? On n'a pas... Ça n'a pas besoin d'en venir là. Vous n'aurez pas à prendre le risque de perdre au tournoi si vous nous aidez à tabasser Apocalypse.
Hein, et tous ces trucs que vous disiez là dans le... Dans la cave de la basse. Je me souviens plus de ce qu'il disait dans la cave de la basse. Non, on fera plus ça. Et pourquoi pas? Ah oui, il voulait taper cet apocalypse? Je me souviens plus du tout. Ouais, c'était ça. Mais parce que c'était une idée débile! Tabasser Apocalypse, vous foutez de moi! C'est une cause perdue! La ferme! C'est pas une cause perdue! On veut la même chose, pourquoi est-ce qu'on travaille pas ensemble? Lâche l'affaire! Vos talents sont impressionnants, mais Apocalypse sont dans un tout trop. Lâche l'affaire! Vos talents sont impressionnants, mais Apocalypse sont à un tout autre niveau. Même si on faisait équipe, on n'aurait aucune chance. Personne n'a la moindre chance. Écoutez, je comprends. Je vais pas mentir. On va pas se mentir. Vaincre Apocalypse, c'est effectivement le résultat idéal. J'admets que j'ai songé à l'idée pendant un moment. Mais après tous ces résultats médiocres avec Babi, il est temps de faire face à la réalité. C'était du délire. C'était juste refuser d'accepter l'inévitable. Le tournoi aura lieu et on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter nos chances de gagner. Espèce de sale pute défaitiste! Votre plan est quand même naze! Ne tuer n'accomplira rien. Vous allez juste vous faire péter le cul par les platines délicieuses à la place. Ouais, c'est vous faire péter le cul. Ah oui? Eh bien peut-être qu'on va les kidnapper et les tuer aussi. Rona, Headbang. D'où Jésus, les gars, vous êtes encore en train de glander là-dessous? J'ai besoin de votre aide. Maniez-vous et butez-les. What the fuck? C'est quoi ton problème, frangin? Ah! C'est triste, ça fait trop peur! On devrait se dépêcher d'aller aider! Ouais, oui, vas-y, je te rejoins dans une seconde. Au revoir, Death Bulge. Non, attends! La douleur! C'est insupportable! Désolé, tout le monde. Si seulement j'avais pas signé. Bon allez, qui veut nous sauver? The fuck. Bitches. C'est quoi, c'est parce que Birch c'est le boulot? Genre le... Le l'arbre? Le boulot? Bircher? Ça veut dire un truc? Non. Bon bah... Par défaut on va dire naze. Oh, oh, il est naze! RH est arrivé! Le R, c'est pour Rescousse! Putain, non, c'est pas ça sa voix. C'était quoi sa voix? Le R, c'est pour Rescousse! On va dire ça. On va dire que c'était ça sa voix. Le H, c'est pour Salut! Bon, en français, ça marche pas, mais. Eh oui, c'est pas ici que vous mourrez. Vous savez pourquoi?
Parce que Kakwak ne perd pas contre n'importe qui. Kakwak ne perd que contre les incroyables musiciens qui ont le talent de battre un groupe aussi puissant que Pocalypse. C'est tout. N'allez pas foutre en l'air cette idée. Ah, super, vous êtes tous inconscients. Kakwak n'aura pas à apprendre ça. Dommage que personne ne soit là pour apprécier le génie de ce déguisement. Bon, allez, assez discuté. C'est l'heure d'appuyer sur des boutons. Oh, la puissance totale d'animation. Juste... On est vivant ? Je pensais que cette fois, c'était fini. On était mort. Les portes sont ouvertes. Non, c'est pas possible. Peut-être que c'est vraiment vous, le groupe avec qui je dois être ? Faut décider, petit. Mais pourquoi d'autre un tel miracle arriverait ? On a été épargné pour une raison. Baïf marque un point. Non ? On s'est uniquement retrouvé dans cette merde parce qu'on s'est séparés. Je veux dire, oui, si on était restés ensemble, on n'aurait pas été kidnappés aussi facilement, mais ça veut pas dire... Oh, et puis zut, j'arrive pas à trouver une explication plus raisonnable. Va pour le miracle. C'était un avertissement. Un avertissement de ce qui pourrait nous arriver si on continue de se détourner de notre destin. Je ne peux pas tourner le dos à mon groupe. Je dois pardonner. Même si les héros sont des trous du cul. Ouh, et ben ça fait du bien d'arranger les choses. T'appelles ça une réconciliation ? Clairement, tu nous en veux encore. Oui, mais maintenant, il réprime sa colère. Grosse admiration. Bon, on s'en fout. En tout cas, on devrait sortir d'ici avant qu'il ne revienne et nous enferme à nouveau. Oh, t'as raison. Ah. T'es sûr de ton coup ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, peu importe. Ça a l'air d'être un super endroit pour s'opposer. Oh oui. Meilleur endroit pour se reposer. Waouh, y'a tout maintenant. Oula, qu'est-ce que c'est que ce trou? Dout. Miaou. Qu'est-ce que t'as dit? Oh. Voilà, on va contrebalancer les effets de la douleur avec un peu de chouchoutage. Ouh, et avec ça aussi. Oh, le loot. Brin. Mega pop slap. Trop de puissance. Hardware.
14 de dégâts, améliore le truc. Ah. Moteur gameplay, un moteur placé de manière suspecte. Comment j'active le moteur? Bon, ok, ok, on va se battre. Oh là. Tu fais ça, et du coup maintenant, bah, il fait doute doute. Plus vite. Bah d'accord, plus vite si tu veux. Enfin, moi je vais te casser la gueule pareil. Mega Pop Slap. Bah. Il explose. Donc là, il y a un moteur. On pourra sûrement faire quelque chose avec plus tard. Un bordel ici. Ça vous casserait le cul de ranger. Cet ordinateur est allumé et prêt à... un truc. Peut-être qu'on devrait faire une recherche sur internet sur comment sortir de l'atelier de Mutila. Eh, c'est pas une mauvaise idée. Je plaisantais. Je vais essayer. Oh mon dieu, il y a vraiment un résultat, vous êtes sérieux? Comment sortir de l'atelier Tilatec? Publié par Tête de cul PTDR 666. La stratégie en général pour s'échapper de l'atelier Tilatec est d'aller autour de... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ils nous ont trouvés! Envoyez de l'aide! Oh tu vois, je savais qu'on aurait dû s'échapper avant d'envoyer ça... À l'aide! Une personne sur 20 ont trouvé ce guide utile. Pouce rouge cette merde! Ah, il n'y a même pas de jeu sur l'ordi. Trop nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Ting tang tong. Ah non, ça c'est de la triche. 0 Hertz! Crevez! Abomination! What the fuck? Et merde, pourquoi j'ai tapé? Pourquoi j'ai tapé le triangle avec ça, je suis abruti. Crevez, crevez, abomination. Ouah. Ils sont super solides.
What the fuck? Donc ça me revient. Ça, ça fait rien. Là, il y a un autre de ces trucs. Quelle horreur. Maman. Kurt. Oui. Cuttle Buddy. Nice. Saleté, saleté. Mega Pop Slap. Crève, abomination. Prêt. Non, non, tu crèves, n'agis pas, interdit, fire button. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles horreurs! D'où Jésus? Et il y en a plus, il y en a d'autres. Zone 6, l'atelier des gagnants. Ok, bah si c'est la suite, on va y aller en dernier. Il n'y a rien, il y a une porte. Il y a un mec. Bonjour. Oh oh oh. Oh 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 oh. Vous auriez vraiment pas dû faire ça. Veuillez pardonner notre jeu de jambes un peu téméraire. On va se faire pardonner, pas vrai les gars? Pourquoi? Il est probablement pote avec les gens qui ont essayé de nous buter. Peut-être qu'on lui a pas balancé. Peut-être qu'on lui a pas botté assez de portes dans la tronche. T'as pensé à ça? Ouais, excellent argument. Nique ce débile. Allez, on se casse. Vous allez regretter ça. Souvenez-vous-en bien. Vous allez vraiment regretter ça. Cependant... Qu'est-ce que je viens d'essayer de faire avec ma voix? Cependant, je suis d'humeur... clémente. Et je suis prêt à ignorer ce faux pas si vous faites quelque chose pour moi. J'ai juste besoin de rassembler quelques trucs. Ah, par exemple, un moteur? Va les chercher toi-même. Vous avez vu les expériences grotesques qu'ils font ici? Je survivrai pas 5 minutes. Et pourquoi tu demandes pas à tes potes de Mutila de s'arranger? Vous pensez que je suis ami avec Mutila? C'est ça, ouais. J'utilise leur atelier en secret depuis des années. Je suis à peu près sûr que c'est la seule raison pour laquelle ils arrivent à faire fonctionner des trucs ici. Non, je peux pas prendre le risque qu'ils m'attrapent encore. Clairement, vous êtes assez fort pour tabasser toutes les saloperies qui se baladent ici, alors vous êtes mon seul espoir. Il a raison! On est super balèze! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez m'apporter ce jeu? Vous allez m'apporter ce qu'il me faut? Ouais. Alors, ce gars a cassé les burnes de Mutila aussi! Quel héros! Bien sûr, on s'en occupe! Parfait! Oh putain. Alors, de quoi tu as besoin, mon ami balèze? Ok, alors pour commencer, il va nous falloir un moteur. Maintenant, je connais sa tronche, je peux lui choisir une voix. Un genre de ressort. Et une très grosse chaussure. Hein?
Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a une très grosse chaussure qui traîne? Ah, t'inquiète pas, je suis pas exigeant. N'importe quelle chaussure géante fera l'affaire. Super. À la voyure. Alors. Est-ce que vous voulez prendre ce moteur? Oui, bien sûr, pourquoi pas, où? Non, vous ne pourrez jamais me convaincre de prendre ce moteur. Non, on va casser les couilles pour le moteur. Un moteur, une très grosse chaussure, et un ressort. Eh, c'est quoi ça, la télé? Eh, c'est ce... C'est ce reporter qui m'avait interviewé à Bobstead. Eh, salut chers téléspectateurs. Ici Sully de Hellbiz avec une autre exclusivité d'enfer. Je suis ici avec les 4 membres de la... des légendaires Apocalypse qui vont bientôt monter sur scène. Comment vous vous sentez? Ouais, on a hâte. Ça va être super cool de jouer à Helblivion. Comment a été le voyage? Oh, oh, mais c'était un peu un cauchemar pour être honnête. Ramener notre scène de démon, de dieu démon ancien jusqu'au festival a été horrible. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est énorme. Oui, ça a été difficile, mais... Eh, ce sera pas un concert d'Apocalypse sans ça. Heureusement, quelques locaux musclés nous ont aidé à le porter. Je suis pas sûr de ce qu'on aurait pu faire sinon. Un toast pour Iris, Splash et Rudy. Alors, c'est quoi l'histoire derrière cet énorme... décor de scène? C'est une représentation d'un ancien dieu démon appelé Maestro. Dont on dit qu'il avait apporté la prospérité musicale. Venu un peu un porte-bonheur, j'imaginais. Bah, pourquoi ça m'étonne pas que maman a aidé à porter ce truc pour ses gros nazes? Elle prend vraiment toutes les opportunités pour se la péter avec ses muscles. La ferme, vous deux, j'entends pas la télé! Ah, c'est vous! C'était comment le... les épreuves? Attendez, Rona et Trista savent que vous êtes ici? Ouais. On a eu une discussion très productive, ils nous ont laissé partout, nous ont laissé partir. Ouh, bah, je peux pas mentir à un tambour, on s'est échappé. Je vais me foutre de sa gueule un peu. Ah bah c'était super sympa de leur part. Bon, on se renvoie au tournoi alors, hein. J'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. À ce sujet, je devrais retourner à l'entraînement. A plus. Alors, vous... c'est vraiment votre truc de mentir au batteur, hein. Ça a l'air d'être leur, leur quartier, donc les autres doivent probablement pas être loin. Ouais, on doit s'assurer d'être prêt.
Allez, 7, 8. Restaure une quantité de vie aléatoire entre 1 et 500 à toute l'équipe. Non, merci. Je peux pioncer dans leur lit. Il y a un lit mal fait, un lit mal fait. Et un lit bien fait. Il y a 3 lits placés comme par hasard juste ici. Petite sieste? Ouais. Gros dodo. Alors par contre, je me trompais, c'est là la suite. Ah! D'accord. Bon, d'accord, je t'ai passé ce truc. Oh là là. Oh putain. Hey, Shredder! Merde. Aïe. Aïe. Doute. Tout va bien. Tout va mal. Tout va mal. Twink Frenzy. Aïe. Twink Frenzy. Twink. Un petit baril. Oh. Même pas drôle. Alors, vie d'ordure. Je commence à me dire que ce Dax se fout de notre gueule. Où est-ce qu'on va trouver une botte géante? Qui sait? Peut-être que ce distributeur de bottes géantes ici va nous aider. Un quoi? Invoquer une botte? Oh bah oui. Je vais sélectionner le type de botte. Quelque chose glamour, quelque chose sportif, quelque chose de yeehaw, ou quelque chose de métal. Yeehaw! Allez, ça c'est pour toi, Chuck Ridge. Une grosse botte de cow-boy. Botte obtenue. On peut même pas la voir. Ah. Oh. Je voulais voir la grosse botte de cow-boy. Bon, tant pis. Maintenant, on peut lui botter le cul. Oh, arrête un peu ça. On a déjà ce qu'il nous faut. Pas besoin de traîner. Ok, j'y vais. Faut pas oublier qu'on a aussi encore l'abomination à tabasser, hein. L'abomination, ce serait pas Dak? Non, parce que bon... C'est pas qu'on sait que l'abomination était au fond d'un trou et que Dak est au fond d'un trou, mais... Doute. Ah, disons qu'il y a comme un indice. Miaou. Hey, Shredder. Oh. Ah bah oui. Ah. Hey, Shredder. Aïe. Bon, vous m'avez cassé les couilles. Crodé. Aïe. Ouais. Quelle saleté. Pourquoi ça m'a cassé le... Bon, on s'en fout parce qu'ils sont morts, mais...
Oui, je vais te tabasser. Oh là là. Kurt! Ouais! Cuttle Buddy! Prêt. Petit Arplitch, ça peut être pas mal. Wow. Aïe. T'as mis Capopsap dans ta tronche, t'apprendras. Pourquoi ça m'a encore cassé ma barre? Aha! Loot! Pain. Ok, plus qu'un combat et on va enfin pouvoir level up. Préservation de la bonne vibe, fortifie la barre et protège un modificateur avec un effet positif dessus. Hein? Ok, mais où est ce putain de ressort? J'aime pas ces trucs. Ouais. Face Melter. Fond abomination. Prêt. Yep. Aha. Trop rapide pour toi. Meurs. Aïe. J'ai dit meurs. Voilà, level up. Level up et où est ce ressort? Un très gros ressort. Où est-ce que je vais trouver un très gros ressort? Salut mon gars, t'entends rien? Là que ça avait réussi, ça vous avez déjà commencé, super, vous arrêtez pas là, hein? Il vous faut machin, d'accord? Où est-ce que j'ai trouvé un ressort dans ce bordel? Moi aussi c'est là qu'il y avait le moteur. Y'a pas de passage secret. Y'a pas de ressort. Là y'a notre ordi. Pas de passage secret. Pas de passage secret, pas de ressort. Bah merde. Mais vous vous déplacez vite vous hein. Je peux monter ici, mais bon, après, là, c'est... Bon, je sais pas. Mais ça fait vraiment qu'on est ensemble, donc on va s'arrêter là. Et on finira cette quête à la con... au prochain épisode. Sur ce, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.